Et salut à tous, c'est Zéro, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, donc toujours sur la bêta de The Division. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer les bugs que j'ai pu rencontrer lors de cette bêta. Et le bug aujourd'hui, c'est quoi? Donc, c'est qu'il y a des personnes qui sont invincibles et invisibles. Donc, ils peuvent te tuer, ils ne peuvent pas prendre de dégâts et tu pourras pas les voir. Donc quand ça va t'arriver, tu vas juste rien comprendre. Là j'ai réussi à filmer le moment, donc là vous pouvez déjà voir, je prends des dégâts, je sais pas pourquoi. Vous allez voir que je vais me faire exploser la gueule donc par quelqu'un qui est atteint de cette maladie qui est l'invisibilité et l'immortalité. Je pense pas que ce soit une mauvaise maladie pour lui. Mais en tous les cas, moi, ça me fait un cul gros, gros comme une citrouille. Parce que du coup, tu sais pas ce qui arrive devant toi, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais que tu vas y passer, mais voilà, tu sais pas comment y échapper, tu sais pas quoi faire. Voilà, il m'a mis en PLS. Hein. Il me baisse ramasser la savonnette. Voilà. Et bon, voilà, il m'a abattu. Ça, c'était la partie négative du bug. Mais maintenant, je suis devenu un dieu. Alors, voilà, petite parenthèse pour faire un petit peu d'humour. Donc, quand je dis que je suis devenu un dieu, c'est que voilà, le glitch s'est inversé et que maintenant, eh ben, c'est moi qui suis immortel et invisible. Alors, je sais pas, j'ai quelqu'un dans mon groupe. Je m'en suis rendu compte, il était déjà dans mon groupe, en fait. Alors lui prend les dégâts, mais pas moi, vous allez pouvoir le constater, moi ma vie va absolument pas descendre, donc les trois barres en orange, et lui sa vie, donc les trois petites barres en bleu, là, du côté droit, en bas de l'écran, vous allez voir que lui va perdre un peu de vie. Donc là, rien ne peut m'arriver, en gros, je vais défoncer, je vais latter les couilles à tout le monde sans qu'il puisse rien m'arriver. Alors on me dira, ouais, mais c'est pas très juste, c'est pas très éthique, c'est pas très moral ce que tu fais, parce que du coup, les autres, ils peuvent rien faire, c'est de l'anti-jeu. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, c'est de l'anti-jeu total. Mais voilà, c'est comme ça. Ça tombe bien, parce que maintenant que je fais des vidéos, j'ai eu l'occasion, justement, de tomber sur ce bug, parce que je l'ai pas demandé, ça m'est arrivé comme ça. Et du coup, ça va me permettre, d'en profiter un petit peu, je vais rigoler, je vais pas trop le faire, parce que ça t'enlève quand même le côté instinct de survie. Et voilà, mais comme ça, je vous montre un petit peu le bug, comment ça se passe. Si pendant le jeu, machin, c'est encore, et bah, vous étonnerez pas, et puis vous aurez de quoi vous référencer par rapport à ce bug. Voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Donc vous pouvez voir, il me voit vraiment pas. Il y en a un, je suis passé devant, il m'a pas vu, il est toujours là. Là, je vais pouvoir lui tirer dessus, j'ai le temps de recharger, machin, il comprend rien du tout. Ouais, je lui tire dessus, bah, il croit, voilà, boum. Voilà, donc je lui tire dessus, et il a pas le choix de mourir, en gros, c'est vraiment ça. Le dilemme de ce bug, voilà. Donc voilà, donc je suis avec mon partenaire. Après, mon coéquipier, ouais, c'est un anglais, j'ai pas forcément voulu rentrer avec lui, mais je sais même pas si lui me voit en fait. Alors, est-ce que peut-être ça serait un bug lié au groupe? Je sais pas. Peut-être, je sais pas du tout. Des fois, j'ai l'impression qu'il me voit pas non plus, donc est-ce que. Vraiment, c'est une bonne question. Mais bon, on va défoncer des gueules, voilà, tiens, prends ça, hop là, voilà, aucun scrupule, de toute façon, il voit pas, lui, il comprend même pas ce qui lui arrive non plus. Ouf. Hop là, coup de crosse. À part ça, c'est vraiment horrible comme situation, c'est vraiment une situation de merde, parce que, en plus, là, ils sont même pas renégats, moi, ces choses-là, ça m'est souvent arrivé quand j'étais renégat, et puis, bon, ça te fait chier, parce que tu peux encore plus d'argent quand t'es renégat, mais... Eux ils sont même pas renégués, ils doivent se dire putain mais c'est qui m'attaque, j'y comprends rien, je vois rien. Alors là ils doivent se dire c'est mon collègue, parce que mon collègue eux ils le voient. Alors ils essayent de le fumer, sauf que mon collègue en vrai il fait rien le pauvre, il prend juste la prime parce que je suis en train de tuer tout le monde. Un membre de votre équipe a désavoué son affiliation à la division. Votre équipe a désormais le statut renégat. Ouais, c'est de ma faute, pardon, c'est de ma faute. Oh, mais donc voilà, enfin, petite vidéo de 10 minutes, peut-être que ça va plaire, peut-être que ça va pas plaire. Moi, j'aime pas jouer avec les glitchs, mais bon, là, j'ai eu l'occasion de le filmer pour vous. Ça tombe bien, parce que vu qu'en ce moment, bah voilà, je fais des vidéos pour vous, ça me permet de vous montrer vraiment la totalité de la bêta de Division, et je pense qu'une fois que j'en aurai fini, vraiment, vous seriez passé par tous les aspects. Par tous les aspects de la bêta, vous aurez vraiment rien loupé. Ouais, il y en a un qui monte. Lui, c'est un warrior, il doit pas... En fait, il essaye de niquer mon partenaire, c'est surtout ça. Et il doit vraiment pas comprendre ce qui se passe. Donc ça va être pareil. Bon, je vais te laisser sur ton...
sur ton muret. Ils comprennent pas. Le gars, tu sais, tu lui tires trois petites balles dans le dos et ah putain, c'est qui? C'est mon partenaire et tout, c'est mon coéquipier, machin. Lui, il en avait de la vie. Ouais, c'est toujours de ma faute, ça change pas. Et donc ça part en couille parce qu'en plus du coup on est en chasse à l'homme, donc qui dit chasse à l'homme dit que tout le monde a vraiment envie de nous tuer. Donc ça donne l'occasion de tuer pas mal de gens qui veulent se la jouer policière. Voilà. Là, dans cette vidéo, il n'y a pas de justice. Donc mon collègue, on voit qu'il est pas... On voit que le bug l'affecte pas parce que sa vie descend quand même. Vous pouvez voir en bas là que des fois sa vie elle descend. Alors que la mienne, si vous regardez, elle descend, mais jamais. Elle descend vraiment jamais. Donc c'est vraiment que je peux ressentir les dégâts. Ça va des fois me faire mon aura rouge autour là, autour de la caméra, comme quand ça dit qu'on prend des dégâts. Sauf que en rien, ça va me faire descendre ma vie. Je peux en prendre à l'infini. Après, l'ordinateur peut me voir aussi, mais pareil, il pourra pas me faire de dégâts. Votre affiliation à la division a été... Oh ouais, je me retrouve, j'ai changé de zone, donc je me suis mis dans la zone d'extraction. Donc pour extraire mon petit pactage là que je me suis fait. Puis voilà, bon, pour continuer un petit peu la vidéo. Bon, c'est quand même pas génial comme bug parce qu'il n'y a plus aucune notion. Bon, vous voyez, l'ordi me voit, me tire dessus, mais bon, il y a aucun. Je prends aucun dégât. C'est pas, voilà, ça enlève vraiment toute. Tout le bon aspect du jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'instinct de survie, il n'y a plus de peur que l'autre vienne te niquer, il n'y a plus... Ah, c'est vraiment juste pour faire la vidéo. Parce que je vous cache pas que, bon, au bout d'un moment, c'est pas super, quoi. Je souhaite que, à mise du moment du jeu, le bug n'existe plus et qu'il soit plus possible. Après, j'ai vu en actu que sur PC, il y en avait qui avaient trouvé que eux, c'était vraiment par rapport à un code source, je crois, qu'il y avait sur la bêta qu'ils avaient plus réussi à l'exploiter, et que du coup, ils avaient carrément piraté le machin et qu'ils jouaient tout le temps comme ça. Moi, je vois absolument pas l'intérêt. Voilà. Je nique son pactage, hein, quitte à être là, autant y aller à fond. Mais voilà, je vois quand même pas l'intérêt de jouer comme ça, quoi. Au bout d'un moment, c'est super long, c'est super chiant. Franchement, je vois vraiment, vraiment, vraiment pas l'intérêt. À part, voilà, faire un petit moment, bah tu niques le pactage des autres, ça peut peut-être te faire un petit peu plus de loot pour toi. Mais bon, après, t'as... Enfin, moi, j'estimerais avoir aucun mérite à jouer comme ça, quoi. Je veux dire, c'est dire que tout ton équipement, tu le dois aux autres. Parce que, en fait, t'as pas joué pendant peut-être, quoi, une journée. T'as pas joué pendant une journée, tu t'es fait le pactage de tous les autres, t'as bloqué le jeu pendant une journée, c'est super, quoi. Non, je trouve ça nul, quoi. Je trouve ça super nul comme concept, c'est pour ça que je suis vraiment pas glitch, je suis pas glitch du tout. Voilà, je dis pas, je m'amuse un petit peu, mais après je vais quand même après la vidéo là, je vais me déconnecter histoire de pouvoir retrouver l'aspect du jeu que j'aime bien. Voilà, en gros. De toute façon, il n'y a pas grand monde. Bon voilà, je vais bientôt stopper la vidéo. Je vous remercie de l'avoir vu jusqu'au bout. Si ça vous a intéressé, je vous laisse aimer si vous avez aimé, je vous laisse commenter pour me dire comment vous avez trouvé. Partagez aussi si vous pensez qu'il y a des gens susceptibles d'aimer ce que je fais comme vous. Et à côté de ça, bah abonne-toi, je te le demande, abonne-toi parce que moi ça me motive à continuer et puis comme ça tu peux me suivre. Abonne-toi et puis suis-moi aussi sur mes réseaux sociaux, je mets toute mon actualité. Donc voilà, sur ce je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et ciao.